on peut y aller. Bon, comment ça va en ce moment? Au rayon romans d'amour de ta bibliothèque. Eh ben, je vais te dire, les romans d'amour, j'en ai marre. Je lui ai juste rendu un stylo. Vraiment? Oui, vraiment. Ça te convient? La réponse correcte aurait été, j'en sais rien, c'est juste un stylo. T'es toujours amoureuse de lui? Ce que je ressens, ça compte pas pour l'instant. J'essaie de régler les choses avec Jack. D'accord, alors laisse-moi t'aider. Tu aimes bien Jack, mais tu aimes Ezra. C'est pas si simple. Ça va? Ça va. T'arrives plus à le lâcher? Hier, j'arrivais même pas à finir de lire la première histoire qui parlait de moi. Et alors, qu'est-ce qui a changé? Je veux avoir des réponses. Des réponses d'Alison, de ce bouquin, peu importe tant que j'ai des réponses. Alors, tu nous as rien dit? Comment va Caleb? Bien. Vous saviez qu'Alison écrivait de la poésie? Bonjour, monsieur Fitz. Cette auberge est fermée depuis déjà plusieurs années, mais le bâtiment est toujours là et le panneau aussi. Salut. Sur quoi tu travailles? T'avais l'air très concentré. Oh, sur rien. C'est la fin d'une histoire. Je peux pas encore la faire lire, mais ça viendra. J'ai eu ton petit mot. Pour ce soir. Sauf que je peux plus. J'ai malheureusement un imprévu. Ça va? Tout va bien? Anna et Caleb viennent de rompre, alors... Emily s'est dit qu'on pourrait toutes sortir en ville avec Anna ce soir, histoire de lui changer les idées. Et je pouvais pas leur dire que j'étais prise. Non. Non, bien sûr que non. Et vous y allez toutes? Oui. Quelque part en particulier? Oui, je sais pas, c'est Émilie qui se charge de réserver. Tu sais, de toute façon, j'ai un tas de copies à corriger. Alors, et demain soir? À propos d'hier soir, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre. On était bien. Je sais. C'est très injuste pour vous deux. Pour toi aussi. J'en sais rien, un moyen de plus être Alison Di Laurentiis. Tu veux bien m'aider?